Le contrôle bras intérieur dit bras à la volée. Dans ce mouvement, le lutteur offensif commence par exercer une forte pression sur son adversaire en direction du sol. Puis il relâche la pression et vient se coller le dos au partenaire pour venir fixer l'épaule de l'adversaire à l'intérieur du creux de son coude et venir se glisser sous son adversaire avec un centre de gravité le plus bas possible. Il s'enroule enfin vers le sol en emmenant son partenaire avec lui. Ce mouvement permet de finaliser vers une finale costale.